Dans un monde en évolution permanente, où le changement est l'unique constante, notre faculté d'adaptation est aujourd'hui plus que jamais primordiale. La nature est pour l'homme une formidable source d'inspiration depuis toujours. Et le règne animal, mais plus largement l'ensemble de la biodiversité, est le véritable témoin vivant des enjeux et challenges inhérents à, notre faculté, à cette faculté d'adaptation. Des majestueuses baleines à bosse qui migrent sur plusieurs milliers de kilomètres jusqu'aux structures sociales complexes des fourmis, chaque créature recèle une sagesse unique. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le parallèle qu'il existe entre, notre capacité entre la capacité d'adaptation de la faune et de la flore et, le, et notre propre développement. Donc tout d'abord, bah, aujourd'hui, bonsoir à tous. Euh, si je suis avec vous ce soir, euh, c'est parce que déjà j'ai réalisé mon rêve. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille en tant que vétérinaire au Parc Zoologique de Paris, dans le Muséum d'histoire naturelle, et j'ai la chance de travailler et de m'occuper d'une grande variété d'animaux sauvages. Ces animaux sont pour moi une véritable source d'inspiration, c'est-à-dire que j'apprends tous les jours à leur côté, en travaillant avec eux. Et pour le coup, c'était quelque chose que je voulais retransmettre ce soir, c'est un petit peu l'enseignement le, que ces animaux m'apportent. Donc, quand on s'intéresse aux vivants, je préfère parler d'adaptation au pluriel, parce que pour le coup, il y a plusieurs formes d'adaptation. Il y a tout d'abord l'adaptation évolu évolutive, l'adaptation évo structurelle et l'adaptation comportementale. Si on s'intéresse un petit peu à l'évolution des êtres vivants, le phénomène d'adaptation ou adaptation évolutive est un mécanisme biologique par lequel les organismes s'adaptent à des changements dans leur environnement. C'est ce phénomène d'adaptation et la transmission de l'adaptation au fur et à mesure des générations qui est la base de la survie des espèces et de l'évolution des espèces. Pour faire simple, lorsque il y a un changement dans l'environnement, les organismes doivent s'adapter et ceux qui s'adaptent le mieux ont plus de chances de survivre et de transmettre ces mêmes adaptations. Et donc génération après génération, sur le long terme, ça contribue à l'évolution des espèces. D'un point de vue un petit peu pra plus pragmatique, les adaptations qu'on appelle structurelles, si on prend un individu à un moment donné, sont en fait des structures physiques, anatomiques, physiologiques, qui permettent à l'animal de survivre, d'évoluer dans son milieu. Pour ça, je vais vous prendre un exemple. Euh, Est-ce que vous connaissez cet animal Alors, j'ai entendu plusieurs choses. C'est une pigargue à tête blanche. C'est l'emblème <laughs> justement des États-Unis. C'est un, un rapace. Est-ce que vous connaissez celui-ci Je pense que tout le monde l'a. Donc c'est un flamant rose. Là, on a une autruche. Ouais, de près, ce n'était pas si facile, mais, mais ça va. Et là, un colibri. Okay. Est-ce que vous voyez le point commun entre ces quatre animaux Voilà, ce sont tous des oiseaux. Et donc, à quelle euh, particularité, capacité physique, on pense quand on pense aux oiseaux Voilà, on pense à la capacité de voler. Et effectivement... Il y a plus de 10 000 espèces qui sont actuellement connues dans les oiseaux dans le monde. Il y en a sûrement bien plus parce qu'on ne les connaît pas toutes. Mais elles occupent en fait des environnements qui sont extrêmement variés. Et est-ce que du coup, toutes les espèces d'oiseaux, est-ce que tous les oiseaux volent Voilà. Du coup, ça, ce sont des manchots. Euh, et effectivement ce n'est pas une espèce qui est capable de voler parce que pour le coup en fait ce sont des animaux marins, des oiseaux marins aquatiques donc qui vont chasser les poissons euh, du coup, dans, à des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 300 mètres et pour le coup en fait leurs ailes sont adaptées à l'environnement aquatique et leur sève de, de nageoire c'est vachement plus pratique pour attraper les poissons si on reprend les exemples précédents et qu'on prend le, la pigarde à tête blanche pour le coup c'est un oiseau qui va lui avoir besoin de voler beaucoup plus haut, beaucoup plus longtemps et de planer, notamment en utilisant les courants ascendants, pour repérer ses proies et potentiellement fondre dessus derrière. Et donc, en fait, les ailes sont adaptées par leur taille, par leur largeur et la, la disposition des plumes pour permettre ce vol. Si on prend le colibri, par contre, c'est une vol qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise. Et ils ont besoin d'avoir des mouvements très fins, stationnaires, qui leur permettent d'aller chercher le nectar dans les plantes euh, et aussi de faire marche arrière quand ils veulent ressortir. Les autruches. Qui font partie de la famille des ratites, donc on, on compte les nandous, les émeux dedans, c'est une famille d'oiseaux qui sont tous incapables de voler. Ils ont des, des membres postérieurs qui sont extrêmement puissants, qui leur servent à courir, qui leur servent à donner des coups de pied pour se défendre, défendre de leurs de leur prédateurs. Mais en l'occurrence, ils ne peuvent pas voler. Et en fait, ils ont des ailes qui sont toutes petites vestigiales, avec des plumes qui sont immenses, ces mêmes plumes qu'ils utilisent pour faire une espèce de parade, notamment sur les mâles, les mâles autruches pendant la période de reproduction. Et donc ça, je trouve que c'est un merveilleux exemple d'adaptation structurelle, parce qu'on a un même groupe taxonomique, donc les oiseaux, qui ont tous des ailes, mais par contre, ces ailes sont à chaque fois adaptées au milieu dans lequel ils, ils doivent survivre, en fait, parce que du coup, on a une grosse diversité qui leur permette de survivre dans ce milieu-là. Et ça, c'est un phénomène particulièrement marqué d'adaptation. Si on reprend le troisième type d'adaptation, c'est l'adaptation comportementale. Ça, c'est un phénomène qui est beaucoup plus, euh, euh, qui n'est pas une caractéristique physique. C'est plus une manière dont les organismes vont s'adapter à leur environnement. Et là, en l'occurrence, je vais vous prendre l'exemple des orques. Donc les orques, vous connaissez sûrement. Ce sont des grands mammifères marins, donc des cétacés, qui sont noirs et blancs, euh, qui peuvent mesurer près de 10 mètres, parfois plus que 10 mètres, plusieurs tonnes, qui sont extrêmement puissants, capables de nager très très vite, extrêmement intelligents également. Et en fait, au sein d'une même espèce, on va avoir plusieurs populations euh, qu'on appelle des écotypes, qui sont elles-mêmes ultra spécialisées et en fait qui occupent du coup des milieux différents et surtout qui ont des régimes alimentaires différents. Donc là, je vous ai pris un exemple du coup euh, avec les populations du Pacifique Nord. Donc on a trois écotypes différents. Donc il y a l'écotype des orques dites résidentes, qui mangent surtout des poissons. Et des calamars par exemple, les orques nomades qui, elles, vont se nourrir de mammifères marins, donc ça va être des phoques, des otaries et même parfois des baleines. On a également les orques de haute mer qui, elles, vivent plus loin des côtes et qui se nourrissent de requins. Et en fait, ce que je trouve absolument fascinant, c'est qu'on a donc une même espèce avec alors, des petites différences anatomiques entre, entre chacun, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins trapues, mais pour le coup, elles ont les mêmes adaptations structurelles. Et en fait, elles vont développer des stratégies qui leur permettent justement d'attraper les proies dans chacun chacune leur environnement particulier. Si je prends l'exemple des orques nomades qui mangent comme je vous ai dit des mammifères marins, il y a plein de vidéos qui existent sur Internet et qui sont absolument fascinantes de la manière dont elles vont foncer en fait sur par exemple un bloc de glace un bloc de glace sur lequel s'est réfugié un phoque pour leur échapper. Et en fait, à plusieurs, elles vont créer une énorme vague qui va submerger et potentiellement retourner en fait le bloc de glace. Ce qui va faire tomber le foc et qu'elles pourront l'attraper derrière. Les orques nomades de haute mer, par contre, elles, elles ont appris que en fait les requins, lorsqu'on les mettait sur le dos, ils rentraient dans un état un petit peu d'hypnose, un état qu'on appelle l'immobilité tonique. Et en fait, c'était vachement plus pratique pour les manger parce que du coup, il y a juste à les mettre sur le dos, puis ils arrêtent de nager, ils arrêtent de se débattre, et en fait, ils meurent d'asphyxie. Et en fait, c'est assez fou à quel point ils ont réussi à comprendre et à transmettre cette connaissance au sein de la population pour parvenir à chasser les requins. Et ce que je trouve très inspirant, c'est que dans la nature, cette adaptation, du coup, et trouver des solutions pour comportementales pour aboutir à leurs objectifs, atteindre leurs objectifs, c'est un, un combat quotidien, c'est-à-dire un combat pour leur survie. Quelque chose qu'ils ont besoin tout le temps, que ce soit les prédateurs, qui, s'ils n'arrivent pas à s'adapter, n'arrivent plus à manger, du coup, et donc finiront par mourir ou les proies, qui bah, là c'est un peu plus concret, s'ils n'arrivent pas à s'adapter, bah, ils, ils se font manger. Et pour le coup, le parallèle que je fais, moi, avec notre propre développement personnel, c'est que, bah, effectivement, pour accomplir nos objectifs, il faut savoir s'adapter, ça c'est clair, mais surtout être capable de travailler au quotidien. Et en fait, je pense que ce qui est le, la, la principale leçon, c'est mettre l'effort avec de la discipline, travailler intelligemment, exploiter nos forces. Et en fait, un petit peu comme euh, et nous en fait, euh, moi ça m'inspire personnellement beaucoup parce qu'il y a plein de jours où j'ai pas forcément envie euh, de me lever, je suis fatigué. Mais une gazelle, par exemple, dans la nature, si elle, elle peut pas se permettre d'avoir une journée off, parce que du coup, si elle prend une pause, si elle dit non, écoute, aujourd'hui c'est pas mon, c'est pas ma journée, et ben elle se fait manger. Et du coup, elle n'a pas le droit à l'erreur. Donc dans ces moments-là, quand je suis fatigué, quand j'ai pas envie d'y aller, déjà j'essaie de me rappeler un petit peu quel est mon objectif Et en fait, je pense qu'il est inhérent à chacun. Moi, en l'occurrence, j'ai décidé de dédier ma vie aux animaux et j'ai envie de tout faire pour que, en fait, participer à leur survie, à leur bien-être euh, au maximum. Et en fait, je me dis bah, voilà, si, c'est vraiment ça qui me donne de la force quand je n'ai pas forcément l'envie d'y aller. Euh et voilà. euh et euh, du coup, lorsque. Donc, je vois vraiment ce parallèle entre l'adaptation de la faune sauvage et cette adaptation qu'il qui faut justement qu'on mette en place, nous, pour parvenir à nos objectifs. Et aujourd'hui, en fait, dans le monde actuel, euh, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de conscience climatique. Et en fait, je ne me voyais pas parler de développement personnel sans parler de conscience environnementale, dans le sens où, pour pouvoir s'adapter, on a besoin d'avoir un environnement qui le permette. Et c'est pareil pour les animaux. Du coup, je voulais vous montrer, vous parler d'un exemple que je trouve particulièrement poignant. Donc ça, c'est une photo euh, du coup d'une région en Afrique euh, qui montre des éléphants, donc éléphants d'Afrique. Est-ce que vous voyez quelque chose euh, sur cette euh, sur cette diapo Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque Ils n'ont pas de défense, effectivement. Donc pour moi, c'est un exemple parfait d'adaptation, c'est-à-dire que nous humains avons un impact sur notre environnement direct et sur notre environnement. De manière générale, qui a un impact sur les animaux et qui force les animaux à s'adapter. Et en l'occurrence, dans cette région, il y avait une guerre civile et une pression colossale sur les populations d'éléphants par le braconnage, parce qu'en fait, le trafic, euh, le commerce en fait de l'ivoire par le braconnage, est extrêmement lucratif. Et en fait, pendant cette guerre civile, il y a près de 90% de la population des éléphants qui a été touchée par ce braconnage, et donc une pression exercée par les activités humaines sur cette population qui était immense. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a près de 51%, 51 des femelles âgées de plus de 25 ans, donc qui ont connu la guerre, qui n'ont plus de défense. C'est-à-dire qu'en fait, tous les individus qui avaient des défenses bah, ont été ciblés par le braconnage et se sont fait potentiellement tuer. Euh, et donc, celles qui n'avaient pas de défense n'ont pas été prises pour cible et donc pas tuées. Mais ce que je trouve assez fascinant, c'est à quel point en fait, la nature s'est adaptée, parce que les femelles, du coup... Qui n'avaient pas de défense ont eu des meilleures chances de survivre et en fait meilleures chances de se reproduire et aujourd'hui il y a près de 32% des femelles qui naissent sans défense donc ça c'est vraiment cette faculté d'adaptation euh, évolutive qui est actuellement en place sous nos yeux et en fait aujourd'hui par les activités humaines on a cet impact sur le monde qui nous entoure et les animaux la biodiversité euh, en fait est forcée de s'adapter à nous en permanence. Et tout comme l'adaptation est une des clés de leur survie, c'est plutôt le manque d'adaptation ou l'incapacité à s'adapter qui elle est le principal, la principale menace à leur survie. Et tout comme c'est la principale menace à notre euh, développement personnel, quelque part on connaît tous euh, ces gens qui voilà avaient une idée en tête, sont partis et malgré les, les, les red flags, et ben ont continué. C'est exactement le même principe. Et en fait. Euh, aujourd'hui par la conscience que l'on a du coup de, de l'impact que nous humains avons sur le monde qui nous entoure et on fait partie de ce monde donc on a besoin de le préserver pour préserver notre propre développement. Euh, on a cette responsabilité d'agir concrètement pour la protection du climat, de, de l'environnement et à mon sens c'est quelque chose qui est aujourd'hui primordial à la fois pour l'ensemble de la planète mais aussi pour nous en fait si on veut pouvoir continuer à vivre dans, dans cette planète. Donc, en conclusion de cette présentation, je dirais que les facultés d'adaptation euh, des animaux, de la faune sauvage, de la biodiversité sont absolument considérables et ce sont la clé de leur survie, tout comme ça peut être la clé de notre développement personnel, développement professionnel, ou une des clés, justement, de pour que l'on parvienne à surmonter les enjeux climatiques et, euh, et environnementaux. Auxquelles sont confrontées nos, 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 nos sociétés actuelles. Et je finirai par dire qu'il est urgent et il est de notre responsabilité de protéger toutes les formes de vie sur Terre. Merci beaucoup pour votre attention. Juste d'un point de vue un peu plus concret, il y a plein d'associations qui font plein de choses et on a eu des intervenants qui ont fait des choses extraordinaires pour le climat. Là, juste deux mots parce que c'est des gens qui sont particulièrement importants pour moi sur Univet Nature, c'est une association de veto qui a des... des des, des projets de conservation partout dans le monde. Euh, et aussi un mot sur Wild Soul, c'est l'un projet de la personne grâce à qui je suis là ce soir et je suis très heureux d'être avec vous ce soir, euh, qui se bat justement pour récupérer et offrir une belle fin de vie à plein d'animaux. Donc merci à eux. Et euh, voilà, il y a une tombola pour une nivette si jamais vous avez envie d'y participer. Merci beaucoup.